Les repas en français. Attention, car on a certains changements si on compare les pays francophones à ce qui concerne le repas. Tout d'abord, il faut savoir qu'un repas, c'est un moment précis où on mange. Et pour certains, ça peut signifier aussi ce qu'on mange. Le matin, en France, on prend le petit déjeuner ou le petit déj. Normalement, on les prend entre 6h du matin et 8h. Certains ont l'habitude de manger quelque chose vers 10h. On goûte, on prend les goûters. Ensuite, à midi, on déjeune. On prend le déjeuner ou le déj. Vers 16h, on goûte à nouveau. Soit on prend un goûter, soit on fait une collation. Et finalement, les soirs, entre 19 et 21h, on dîne. On mange notre dîner. Et certains ont encore l'habitude de manger un petit truc avant de dormir. Donc, il y a encore les soupers. Vous vous rappelez qu'au départ, je vous ai dit qu'il fallait faire attention. Pourquoi? Parce que dans certains pays, tels que le Canada, plus spécifiquement au Québec, ou encore en Belgique, parfois en Suisse, parfois dans un autre pays, au lieu d'avoir le petit déjeuner, ils appellent ça du déjeuner. Au lieu d'avoir le déjeuner, ils appellent ça de dîner. Et au lieu d'avoir le dîner, ils appellent ça de souper. Et vous, quel est votre repas favori ?